Bonjour, aujourd'hui on a un magnifique cadeau pour vous. On n'a pas une, mais deux Porsche convertis à l'électrique. On est là aujourd'hui pour vous présenter ce que c'est que le rétrofit électrique de ces magnifiques classiques. On a avec nous aujourd'hui la chance d'avoir deux Porsche 911 Targa qui ont été convertis en électrique. On va vous donner nos impressions de conduite, le budget qui va derrière la conversion et toute la technique. Bienvenue sur notre chaîne EV World Tour. Brody on the line, I'm tapping in. Got her here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want a tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through the ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent but no label. For now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. All of this done with the speech. Filling my pockets for now, but later I want the picket for some sign of the neighbors. I used to skip out on the payments. Now they's a tax for the labor. Dog on the line, you ain't tapping in. I'm staying clear, fake rapper friends. Kamikaze on a traffic cam. Only one shot to navigate the labyrinth of keeping it late, burn it down to the ash. My life ain't much more than imagined. I got where I'm at with the passion. Traded all to live it backwards. Pray we ain't make it through the night. Hope we ain't make it through the night. You can see it. When you look into my eyes. When you look into my eyes. You can see it. Ok, maintenant il est temps de conduire ces bolides. Alors moi, je sais laquelle je veux. Moi conduire. Aussi, je sais laquelle je veux. Ok, on la joue à Shifumi en une manche. Ok. Okay. Shifumi. Moi, je veux la grise. Ok. De la Targa grise de 77. Alors c'est un vrai plaisir à conduire. On a une tenue de route qui est aussi bonne que la version thermique. Les masses sont encore mieux réparties du fait des batteries et du moteur à l'avant et à l'arrière. C'est un gros kiff de conduire ça, déjà tout simplement pour le design cuir, c'est superbe. Il y a de quoi se la péter. Juste un petit bémol, il faut se faire au frein. Donc on a une première partie du frein qui est de la régénération électrique et la deuxième qui rentre dans le frein mécanique en fait. Donc c'est un petit truc à prendre. Sinon non, nous on l'utilise tous les jours, c'est très agréable, ça permet de faire les trajets maison-boulot sans problème, ça coûte pas grand chose, ça fait pas de bruit, tout le monde se retourne, c'est toujours plaisant. Et je suis bien contente qu'on nous ait prêté cette petite Targa. Ouais, ça accroche, ça accroche. Wouhouhouhouhou. Conclusion, je veux pas la rendre. Thank you.
Et on se retrouve dans la Porsche noire. Comme vous pouvez le voir par ma face bien rouge, il fait très chaud. Alors on a de la chance parce qu'il fait très beau. Et on est sur cette magnifique petite route de montagne pour tester avec vous les deux Porsche. Alors on ne peut pas mieux vanter les mérites de ces vieilles voitures. Elles ont déjà fait leurs preuves. Celle-là, elle a plus de 30 ans. Et on sait que ça tient bien le pavé, mais ce qui est important, bah, c'est qu'il n'y a plus de bruit. Elle décoiffe toujours. On a enlevé la capote, forcément, oui, c'est des Targa. Et voilà, quand j'appuie, ce qui se passe, elle a vraiment la gnaque. Là, on est dans le gros modèle. En fait, il y a eu deux gros écarts de conversion entre ces deux Porsche. La grise, qu'on appelle la petite, a un moteur de 60 kW qui fait à peu près 90 chevaux et 150 km d'autonomie réelle. Et la noire, qu'on appelle la bête, est plus puissante. Elle a un moteur électrique qui était à l'origine monté dans des avions électriques et elle a plus de 300 km d'autonomie. Et je peux vous dire que quand on appuie, en plus de ce petit feulement bien agréable qu'on entend derrière, et ben ça pousse. Et la différence qu'il y a entre la Porsche grise et la Porsche noire, c'est que celle-là, vraiment, elle a été faite avec beaucoup plus de soin du détail. Elle est plus puissante, il y a plus d'autonomie. On parle ici de 300 km d'autonomie réelle. Allez, on va dire 250 en hiver. Elle est équipée d'un moteur de 70 kW qui, à la base, a été conçu pour faire tourner des hélices d'avion dans des avions électriques. Donc ça fait 70 kW qui correspondent donc à peu près à 110 chevaux, mais on a 200 Nm de couple. Donc on n'a peut-être plus le bruit original de la Targa, mais je peux vous dire que sous le capot, à l'arrière, ça décoiffe. Donc on a une voiture vraiment moderne, on a même la climatisation à bord, et tout ça dans un cocon classique vraiment beau. Je peux dire que tout le monde se retourne sur notre passage et nous fait des pouces. C'est un régal de la conduire, je suis vraiment content de la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir convertir, rétrofiter ces vieux véhicules. Une petite pause de 30 secondes dans cette super vidéo pour te parler de rétrofit électrique. Si tu es toujours avec moi, tu sais qu'en France, bientôt, on va pouvoir homologuer des véhicules convertis à l'électrique comme chez nos voisins européens. Donc en partenariat avec EV Shop, nous proposons des sessions d'initiation professionnelle au rétrofit électrique. Nous vous proposons notre savoir-faire, nos conseils et tous les composants dont vous avez besoin pour faire votre conversion. Afin que vous aussi, vous puissiez donner une nouvelle vie plus propre à nos véhicules d'aujourd'hui. Toutes les dates et informations sont disponibles dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vous laisse avec ces magnifiques Porsche électriques. Et entre nous, bienvenue dans l'industrie de la mobilité décarbonée. Voilà, c'est la fin de cette journée, donc comme vous pouvez le voir, on a bien cramé. On espère que ça vous a plu et que vous serez adepte du rétrofit électrique. Si vous, vous ne l'êtes pas, nous on l'est. Et on aimerait bien savoir dans les commentaires si vous voyez vous aller au travail tous les jours avec ce genre de Porsche électrique. On est plutôt convaincus, j'espère qu'on vous a montré dans les vidéos que c'était bien péchu. Nous, ça ne nous manque pas le bruit. Et
donner une nouvelle vie à un véhicule classique pour l'emmener dans le futur, c'est vraiment notre mission. Avec Alexandra, en ce moment, on construit un van électrique solaire pour faire le tour du monde, vous montrer à tous qu'il est possible de se déplacer sans énergie fossile. Alors n'hésitez pas à monter à bord, notre projet c'est EV World Tour. À bientôt, et n'oubliez pas, on a tous le droit de se sortir les doigts. Bye bye.